La pression grandissait à mesure que s'approchait l'entrée au Tibet. Les voyageurs étrangers indépendants n'y sont pas autorisés. Nous voici donc quelque part dans le Yunnan, en Chine. Il est tout près ce Tibet dont nous rêvons depuis nos premières rencontres avec l'œuvre d'Alexandra David-Neill. Nous voulons le découvrir, l'appréhender, le parcourir, le humer. La rumeur internet fait état de voyageurs indépendants étrangers expulsés sommairement ou mis à l'amende. Dans certains cas même, emprisonnés. La logistique des checkpoints, des points de contrôle, commence. Donc on roule le long du Mekong, sur cette piste de terre qui est pas trop mal. Et on sait que dans 30 km, on va passer notre première ville chinoise au Tibet. Et qui dit ville chinoise au Tibet, dit point de contrôle de la police touristique. Thank you.